Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur ma chaîne Mes Secrets de Nana. Nous sommes toujours jeudi 2 mai 2024. Ce matin, je vous ai fait une vidéo spéciale semaine d'action. Et là, on va aller voir s'il y a des nouveautés. Elle a un petit tour rapide dans les housses de coussin. Mais s'il n'y a pas de nouveautés, je sais que l'une d'entre vous m'a demandé un petit tour dans les housses de coussin. On a ceux-là à 3,99€. On a plusieurs couleurs. On a du velours vert, motif feuillage tropical, 2,99€. Oh, il y en a une d'entre vous qui m'a donné le nom de cet oiseau et ça ne me revient pas. Je crois que c'est un héron. Après, on a les feuillages. On a des modèles rayés en lin à 2,95€, 45 par 45, à du orange et du gris. Alors ça, par contre, c'est une nouveauté que je n'avais pas vue auparavant. Donc, on a du vert, du orange et du beige. Donc 2,99€, ils font 45 par 45. Une petite nouveauté côté peinture avec ces toiles magnétiques. Ça, c'est mignon, ça. Il va y avoir bientôt les fêtes, toutes les fêtes, là. Ça peut être sympa de faire soi-même, en fait, un magnète. 94 centimes. Alors, il y a 4 modèles, hein, le carré, le rond et les deux petits cœurs. Pensez-y, là, pour les fêtes. Les lanternes métal comme ça, 6,59€. Alors il y a du beige. Alors dedans il n'y a pas de photophore en vert. Hein. Donc il y a le beige, enfin les cruches, il y a le marron et le vert. Tiens, dites-moi lequel vous préférez. Et dites-moi en commentaire, je vous en fais parfois, hein, si vous voulez une vidéo déco par couleur. Je sais que j'aime bien aussi faire ce type de vidéo. Ça peut être du vert, du jaune. Alors me demandez pas une couleur qui est très très rare. Hein. Donnez-moi une couleur basique qu'on peut trouver forcément. Donc vert, blanc, rose. Enfin les couleurs comme ça. Me dites pas couleur cassis. Dites-moi rose et rosé, mais pas cassis ou framboise. Parce que là c'est sûr que la vidéo elle dure 20 secondes. J'avais vu ça aussi la dernière fois. J'ai oublié de vous le présenter. C'est les gobelets avec les personnages, la 3D et la paille. 3,79€, il y a le mini, il est trop mignon. Reine des neiges. Ouais, ça fait un peu peur quand même. Les Avengers. On a Mickey. Et pas de patrouille. C'est le mini que je préfère moi. Dans les gobelets, comme ça, on a aussi ceux-là à 2,79€. Hop, avec la petite paille qui sort là. Et après, on a ceux-là. 1,32€, on a du Peppa Pig, Reine des Neiges, Mario, poivre moulin, sel en bois et acrylique, 2,99€. Tiens, on m'a demandé aussi s'il y avait des sprays silicone rayon voiture, donc il y en a bien. 2,49€ les 400 ml. Les lingettes nettoyage des sièges en cuir, 1,79€, il y a 20 pièces. Alors il y a siège en cuir, il y a pour le tableau de bord et normalement il y en a un aussi. Normalement il y en a un aussi. Alors celui-là c'est aussi pour le tableau de bord, mais il me semblait qu'il y en avait un aussi pour le tissu, enfin le textile. Ça c'est super pratique. C'est le comment on appelle ça? Oh. Garage mur pare-choc, ça n'a pas un nom particulier, mais en fait c'est de la mousse à poser dans votre emplacement, que ce soit en sous-sol ou petit box. Vous allez pouvoir le poser dans des endroits bien stratégiques, hein, selon votre emplacement. Vous voyez, par exemple là, ils l'ont mis au plafond, donc, à mon avis quand le plafond doit être bas, donc quand on ouvre le coffre pour éviter de l'abîmer, donc on va le mettre en haut. Ça peut être sur le côté, voilà, pour ouvrir les portières. Ça peut être un poteau qui gêne. Enfin, je trouve que c'est sympa au lieu de se prendre le poteau ou le plafond et d'abîmer sa portière, ses portières. 1,99€, il y en a deux. Ah, tiens, ça je ne connais pas. Les pare-soleil magnétique à 1,99€. On a le pare-soleil avec son sac de rangement. 1,99€. J'ai pas vu de nouveauté vaisselle aujourd'hui. Ça, c'est la gamme Sandscape. C'est bon, depuis la semaine dernière. Donc, on a les grandes assiettes à 2,59€. Il y a trois couleurs. Il y a le beige clair. Bon, dans les grandes, il n'y a que ça. Sinon, il y a du beige clair comme ça. Il y a du gris et puis un écru.
Donc les petites assiettes sont à 2,59. J'allais oublier. Enfin, à chaque fois, je veux le dire au début de la vidéo, depuis ce matin, j'oublie. Je tiens vraiment à remercier toutes les personnes que j'ai rencontrées lors de mon mini-séjour sur Alger. Merci beaucoup pour vos messages, pour les rencontres, pour les échanges. Franchement, top. J'ai passé un mini-séjour au top. Alors j'ai fait des petites vidéos, hein, que ce soit sur mes autres réseaux sociaux. Je vais en mettre aussi sur cette chaîne et sur ma chaîne de vlog qui s'appelle Ma vie de Nana Razika. Si vous avez envie d'aller voir, bon il n'y en a pas encore, mais je vais les mettre au fur et à mesure. Mais voilà, j'avais promis de vous faire un petit coucou. Donc voilà, merci, merci et j'espère à très très bientôt. C'était un week-end très rapide, mais intense en émotions et en découverte. Les plats comme ça. Tiens, dites-moi en commentaire si jamais, on sait jamais, si vous étiez sur Alger ou vous êtes sur Alger. Faire un petit coucou en commentaire. Les plats comme ça, creux, 2,59 et on a aussi les grands saladiers à 5,95 €. Ou sinon, tiens, mettez-moi juste un petit drapeau algérien. Tiens, dans ma vidéo d'hier, alors, si jamais vous l'avez pas vu, à la petite piscine de jeux pour chats, 4,29 € et dedans il y a 3 jeux. Et la petite nouveauté qu'on a découvert aussi, c'est ce grattoir pliable pour chat à 4,99 €. Bah, tiens, petite nouveauté. Enfin, du moins, je ne l'avais pas vu avant. C'est ces petits distributeurs de snacks. Non, je crois que ce n'est pas une nouveauté, on l'a déjà dû voir. Petit distributeur de snacks à 3,29 €. Il y a jaune ou vert. Le tube de gel lavant, 1,18 €. Je pense que je vais en reprendre un. J'en ai plus. Et ça, c'est pratique. Alors, en voyage. Ça permet de pouvoir faire son petit linge sans emporter le gros bidon de lessive ou si on n'a pas forcément de machine à disposition. Mais aussi à la maison, je sais pas, moi parfois j'ai besoin de laver un petit truc, pas forcément besoin de faire une machine et tout ça. C'est pas mal, ça détache plutôt bien, il y a 15 lavages et c'est 1,18 €. Autre chose dont vous parlez beaucoup quand on échange sur justement tout qu'est-ce qu'on emmène en vacances, c'est ça. Le fix and go anti-pli, donc ça permet de repasser t-shirt, chemise, etc. à la main. Hop, en fait, on va venir vaporiser sur le vêtement et puis avec ses mains, on va venir hop bien aplatir, lisser le vêtement et puis il est impeccable. J'en avais pris un. Hein. Et je ne l'ai pas utilisé, puis j'ai une amie qui m'a parlé de ce produit-là, je lui ai dit, ah tiens, regarde, j'en ai un, je n'ai jamais utilisé, donc je lui ai donné, je n'ai pas eu l'occasion de le tester, mais d'après vos retours, il est vraiment très bien. Alors je parle des vacances, pourquoi? Parce que parfois, pendant les vacances, on aime bien prendre une petite chemise ou peut-être un petit pantalon un peu plus classique, et du coup, bah voilà, c'est ça, c'est le transport et le fait d'arriver sans être froissé. Donc si c'est le cas, c'est froissé, vous pouvez emmener ça avec vous. Justement, en parlant de voyage, sac rangement sous vide, 99 centimes. Alors ceux-là, c'est ceux qui sentent la rose, j'allais dire. Ça tombe bien, celui-là sent la rose. Mais il y a d'autres parfums, il y a lavande, il y a vanille, il me semble. Et je pourrais le mettre si vous faites une vidéo spéciale vacances, parce que ça, c'est super pratique pour gagner de la place dans sa valise, dans son coffre. Juste attention parce qu'en fait il va falloir aspirer l'air pour chasser l'air hein. Pour aspirer l'air, évidemment l'aspirateur, alors soit on va dans un endroit et on vérifie bien qu'il y a un aspirateur sur place, soit on peut prendre les petites pompes les petites pompes qui servent pour les jeux pneumatiques. C'est une toute petite pompe comme ça qu'il y a ici à Action hein. Voilà, donc ne pas oublier le retour. Tiens, génie lessive en machine, 5,44 €, il y a combien de lavages? Il y a 50 lavages, parfum frais, efficace des 30 degrés. Alors le génie machine, comme ça, moi je ne connaissais pas, je connais le génie sans frotter à la main. Et il avait été dans les rayons ici il y a quelques mois, et en fait vous êtes nombreux à m'avoir dit en commentaire qu'en fait, par contre je ne me rappelle plus du pays européen, où ils n'utilisent que ça pour justement le lavage machine à laver. Moi c'était la première fois que je voyais la version pour lave-linge. Tiens, on a vu ça aussi dans la dernière vidéo, 59 centimes, c'est un petit peigne hop, pour faire de jolis raies. Et ça pour bien, je pense, bien plaquer peut-être. 59 centimes. La brosse Guacha Scalp Combe, donc la brosse
pour pouvoir se éliminer tout ce qui est impureté sur le cuir chevelu et faire des petits massages, 1,29€. Donc ça va venir enlever tous les excès d'huile, de sébum. Après justement pour ça il y a aussi cette brosse là, elle est à 99 centimes. 99 centimes, il y en a deux, ça doit être celle-ci. Donc elle va venir pareil enlever tous les excès de sébum, l'excès d'huile. Alors il faut enlever hein, l'excès d'huile et l'excès de sébum, parce que si on n'enlève pas l'excès d'huile, bah, du coup ça pousse moins bien comme on dit. Un petit tour dans les vernis, il est beau celui-là, argenté comme ça. Alors il y a des vernis mais aussi les... Oh, on a celui-là, le doré, c'est un peel-off. Un masque. Oh, c'est ça, j'aimerais bien tester. C'est un masque pour les ongles. Hop, ça c'est le durcisseur. On a cette couleur. On a la base lissante. Alors ça c'est bien. Alors normalement on commence par la base, le vernis et puis l'effet brillant là, plutôt le durcisseur. C'est important de mettre une base. Avant moi je n'en voyais pas l'intérêt. Mais si, parce qu'en fait ça empêche après de voir un petit peu les rainures ou si vous avez des petits défauts sur l'ongle, ça permet d'avoir un ongle parfait. Enfin je voulais dire le brillant, c'est celui-là. 1,25€. Donc on met la base, le vernis, le durcisseur et après le shine pour faire briller. Tiens, une nouveauté, ce gel nettoyant visage avec la brosse comme ça là en silicone. 1,95€, mais je pense que ça je vais prendre, je vais tester. Je voulais quelque chose avec la brosse. Je savais pas que ça existait. Donc voilà, je le testerai puis je vous dirai ce que j'en pense. Tiens, un nouveau masque visage acide hyaluronique et des extraits de vanille. 69 centimes. Tiens les brosses, je sais pas si je voulais présenter ou pas parce que je l'avais trouvé dans le rayon des brosses à cheveux mais je voyais pas le prix et je me doutais bien que c'était pour le corps. C'est 99 centimes, c'est bizarre, ça doit chatouiller ça. Bon là c'est les picots plus durs mais ça 99 centimes. Je crois qu'il y a les mêmes aussi rayon cuisine. Mais c'est vrai en plus il y a une brosse comme ça. Je suis sûre que vous voyez de laquelle je parle. La brosse en silicone là, bah pourquoi pas tiens. Après je pourrais utiliser celle-là dans la cuisine mais pas le contraire. Hein. Baume pour les talons, 1,19€. Tiens, boisson Choupa Choups. Il y a celle-ci qu'on connaît déjà, mais celle-ci c'est la petite cannelle. Donc Choupa Choups à la fraise, zéro sucre, 49 centimes. Allez, je vous fais un petit retour là-dessus, les styles un peu bicado, ça à côté. 1,39€, cookies et crème. Alors je vous avais dit, j'en ai pris un paquet pour mes enfants pour goûter. Alors ils ont goûté, ils ont aimé, mais ça n'a pas été plus que ça. Quand je dis plus que ça, c'est que oui, ils ont aimé et tout, mais ils m'ont pas dit ouais, bah, c'est génial, on adore, tu nous en rachètes. Donc oui, c'est bon, mais voilà, pour mes enfants, c'est sans plus. Dites-moi vous si vous avez goûté ce que vous en pensez. Voilà, voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à plus tard.